La croix est d'autre, n'est rien porté. Non, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix. Non, il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Esprit.
Yeah.
tuko mu maombi.
créateur du ciel et de la terre, dispensateur de tous les dons excellents et parfaits, auteur de la vie éternelle, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour ce privilège merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur, de nous retrouver dans ta maison afin de pouvoir communier autour de ta parole dans cette journée spéciale, Seigneur, un vendredi, pas comme les autres, parce que nous sommes en fête avec toi. Dieu bien-aimé, tu as dit, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je vais les rendre plus blancs de plus que la neige, de par notre nature, Seigneur. Comme nous sommes venus dans ce monde en disant des mensonges, nous nous sentons indignes dans ta sainte présence. C'est pourquoi nous nous humilions, ô Dieu. Nous venons tels que nous sommes, Père, sans rien de bon en nous, avec nos fautes, nos manquements, nos défaillances, parce que nous croyons qu'il y a une fontaine quelque part qui est remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Daigne étendre ta main miséricordieuse, Seigneur, nous plonger dans cette fontaine, ô Dieu, pour que nous soyons agréables au devant de toi. Tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Nous voici plus de trois personnes, Seigneur. C'est à cause de toi que nous sommes ici. Merci. Alors nous t'invitons, nous te dédions, Seigneur, ce culte entre tes saintes mains. Descends, Seigneur, et manifeste-toi dans toutes les parties, le tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons inspiré avec foi en disant Amen. Amen. Nous allons profiter et adorer même avec un seul cantique. Tout à mwabudu Mungu ata na mwimbo moja. Thank you.
de l'occasion pour pouvoir lire les Saintes Écritures. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne les sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. J'ajoute aussi Ézéchiel chapitre 37. Le premier verset jusqu'au troisième. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux. Tout autour, voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, elles étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme le président de Diacre m'a expliqué un tout peu la façon dont vous conduisez, dont les pasteurs conduisent un peu la réunion de prières. C'est que votre pasteur, votre chef pasteur, il consacre cette réunion beaucoup plus à la prière. Alors nous allons pratiquement suivre cette trace. Vous donnez un petit quelque chose qui va vous amener quand même dans la prière. Comme le prophète l'a dit, que dans chaque réunion, il faut lire les Écritures. Alors, je reviens un tout petit peu à mon petit sujet de mercredi. Pour vous rappeler un peu la chose qui va nous amener dans la prière. Alors, je suis dans l'exposé des âges de l'Église. Page 88. Pratiquement au premier paragraphe. Apocalypse chapitre 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous remarquerez au-dessus là, Dieu les avait loués. Dieu les avait loués, il avait reconnu leur travail. Mais il avait remarqué une certaine chose qui n'allait pas. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints d'origine d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier.
qui a duré environ 120 ans. 120. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, dans la génération suivante, le feu diminuit. Dans la troisième génération, il ne peut rester que quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il ne peut bien ne plus rester de la flamme, rien de la flamme originelle. Alors, Dieu rallume le feu. Et le même processus recommence. C'est là où vous et moi, nous avons notre chance. C'est que quand tout est perdu, quand tout devient noir, il n'y a plus d'espoir, la mort s'installe, alors Dieu peut recommencer encore quelque chose. C'est pourquoi nous sommes des chanceux ce soir et nous rendons grâce à notre Dieu. Alors ils disent, le prophète dit ceci, c'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits enfants. C'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus des pires chrétiens. Ils ont pris un nom de domination. Et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes ou messagistes. Etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu. Et non pas par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le fait originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Alléluia, Église. Amina. Nous parlons du premier amour. Et la façon dont on avait embrassé les choses de Dieu. Mais vous voyez ces choses-là commencer à s'estomper, s'effacer. Paragraphe 2 à peu près. Il dit ceci. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. La volonté de s'avancer dans l'esprit. Tout cela avait commencé à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'était refroidie et était devenue un peu formelle. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens à l'époque. Ils devenaient un peu formels. L'abandon à Dieu disparaissait.
Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. Mais quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant, à se mettre à faire des choses qu'il ne faisait pas au départ. Au départ, là, ils avaient goûté Dieu. Ils avaient un certain comportement. Ils étaient fervents dans les choses de Dieu. Maintenant, ils commencent à faire les choses comme des gens forcés. Alléluia. C'est comme si le cœur n'y est plus. Comme si le cœur n'y est plus. Et se mettre à faire des choses qu'il ne faisait pas au départ. Il change de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Il se relâche. C'est ce que signifie au fait Éphèse. Relâchement. Laissez aller. À la page 89, il dit ceci. Ces cycles de réveil et de mort n'a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit. Quand les hommes et les femmes s'habiller comme des chrétiens et qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit, ils quittaient leurs vieilles églises mortes et ils faisaient les cultes dans des maisons ou des vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire de nouvelles églises, toutes belles. Ils ont mis une chorale. Au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu, ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ces mouvements. Des hommes en ont pris la direction. Ils ont fait se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Vous faites ça dans des téléphones. Vous savez comment. Ils ont levé les barrières. Et les boucs sont venus prendre la relève. Leur joie veut disparaître. La liberté de l'esprit était partie. Oh! Ils ont bien entretenu une forme. Oh, mais le feu s'était éteint. Et il ne reste pas grand chose d'autre que des cendres noires. Vous pouvez aller à l'église comme une tradition, comme une forme. Mais la chose qui était au départ n'est pas là. Alors vous y allez, parce que peut-être le mari va gronder, ou papa va au sénaton, ou peut-être c'est le fiancé, s'il ne me voit pas, ça n'ira pas. Alors on vient à l'église
pour une forme. Mais le feu, lakini moto, c'est éteint. Inesha kujimika. Mina. Oh, il dit encore quelque chose. Anasema tena kitu fulani. Et vous là, église. Mko hapo kanisa. Nous voulons entrer dans la prière pour cette chose. Tunapenda kuingia maombi katika maombi njoo hii kitu. Parce qu'avec la forme, nous satisfaisons les hommes. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est là où il faut beaucoup veiller. Je peux prêcher une forme seulement. Chanter une forme. Mais Dieu n'étant pas là. Lakini Mungu anamo. Je nous viens en aide ce soir. Alors, dans question-réponse, du 3 janvier 64, nous commençons au paragraphe 176. Dit ceci. Je me souviens des années passées. Vous les entendez parler tout le temps des allées recouvertes de sueurs, de bois et de ces choses. Les histoires non, ce n'est pas ça. Sauf que dans leur église là-bas, ils avaient des allées où on avait des copeaux de menuisiers là, des bois là. On avait mis là-bas. Alors les gens allaient s'agenouiller là-bas et prier. Vous les entendez parler tout le temps des allées recouvertes de sueurs de bois et de sueurs qui y avait dans les tabernacles. Cela ne se fait plus. Pas les moindres du monde. Mais en ces temps-là, c'était tout frais. Dieu a appelé son église. Je les voyais sangloter et pleurer et rester à l'hôtel toute la nuit. J'allais chez eux et on pouvait les entendre quand on s'approchait. Des hommes et des femmes dans leur chambre criant: oh Dieu! On les voyait s'avancer dans l'église. Et je percevais le piano commençait à jouer. Jésus, garde-moi près de la croix. Et là, des larmes coulaient. Vous savez, Frère Branham renifle, il pleure un tout petit peu. Il dit ceci. On venait dans cette église. Puis on allait à une autre église. On les attendait là. Il y a une précieuse fontaine. Oh Dieu. Sauve mon garçon. Sauve ma fille. Elle est perdue, Seigneur. Je t'en prie. On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. La mort s'est installée. Il y a seulement la forme. On chante par forme. On prêche par forme. On gêne par forme. On se réunit dans la maison de Dieu par forme. Mais Dieu qui était au début là n'est pas dedans. Église, réveillez-vous à cette chose. Posez-vous la question. C'est devenu une habitude. Venir à l'église, c'est devenu une habitude. Il n'a quoi de story. Oh mon Dieu. Oh, il dit ceci. On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit, il a prédit cela, que l'amour, parce que l'amour du plus grand nombre, leur amour se refroidirait. Et que parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre fera défaut.
Vous voyez, il se refroidit. Il s'en va, l'amour donc, il s'en va. L'amour s'éteint. Où est-ce que cela en est-il, arrivé? Simplement une forme. Jouer très fort du piano. Jouer très fort du piano. N'importe comment. Et on crie. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Où soit le Seigneur. Tout cela, une forme. Est-ce que vous saisissez l'église? Alléluia. Mais tout cela, une forme seulement. Quelqu'un qui crie alléluia. Alléluia. C'est spirituel. Mais pour Dieu, une forme seulement. C'est dangereux. On crie alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne t'entend pas. Dit ceci. Jouer très fort du piano. N'importe comment. Et on crie, oh alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Vous voyez comment cela, c'est simple. C'est simplement une forme. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas dire. Vous voyez, on s'est fait des illusions. Vous voyez, ça peu importe tant que je vais comme ceci, tout cela. Je ne parle pas de notre tabernacle. Je parle de ce que je trouve partout aux États-Unis. C'est devenu juste comme une imitation de ce que nous avions. Êtes-vous là, Église? Une imitation seulement de ce qu'on avait. Une forme. Mais où l'esprit s'est retiré. Ceci. Et c'est ce travail d'âme, de l'âme. Ça n'existe presque plus. Oh frère. Sœur. Dada. Oh Dieu. Hey Mungu. Aie pitié de nous. C'est un état lamentable. Ni ali ya kirio. Alléluia. Amen. Vous pensez quelqu'un qui est venu à l'église à crier, mais Dieu n'étant pas dedans. Moi, c'est bien le monde dans lequel nous sommes dans la lumière. Mais il a glorifié Dieu. On a beaucoup de choses à Mungu. Mais une imitation, c'est. Ni kui kawala kufatiri shatu. Le prophète dit. La bien la semaï. Oh frère. Eh Nduku. Sœur. Dada. Oh Dieu. Eh Mungu. Eh. Pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ma soeur, vous venez seulement à l'église parce que vous avez un nouvel habit. C'est ça le but premier. Non. Le but premier, c'est venir exposer votre âme devant l'Éternel. Mais remarquez, ça, ça, angaria, souvent c'est le motif là. Angaria, lengo ya kwenye unakuya, remarquez la pression que vous avez fait à la tailleuse là. Angaria, mbele, savle, urenda kumuzuru mwenye arikuwa nakushonea ile lengo yako. Non, je dois porter ça dimanche. Apana, mimi napaswa kuvala ile nguo siku ya Jumapili. Mais vous venez seulement unakuya tu forme. Monekanio tu. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Eh, Mungu apate kuturemo. Oh. Regardez ce réveil. Et ces choses qui ne font que gronder. Na, qui ne font que gronder sans cesse. Na, ebibitu benye biku na unguruma. Et l'évangile a été prêché plus clairement. Na, injili bari yubiri wazi. Considérez cela. Muyone kona bei. Dès qu'un réveil est terminé, kama tu kinamwisho kinamalizika, les gens s'en vont, vous savez. Bantu banaenda munajua.
Anasema, paragraphe 185. Ifungo mia moja makumi nane nasi. Il dit ceci. Anasema hivi. Maintenant, sasa, le lac a été ratissé. Imamito banai. Le lac. Mamito ya maji. Mabiziwa. A été ratissé. Banabitengeneza tengeneza ko. Et presque tous les poissons ont été pris. Na masamaki yote banailoba. Le filet sera séché. Jésus viendra. Yesu atakuja. Il prendra alors ses poissons. Njoo pale atabeba ile masamaki. Voyez-vous ce que j'avais dit? Munaona kenye napenda kusema? Oh! Mai. Si y a en vous un brin de christianisme. Kama ndani mwako mko toba hata moja ya ukristiani. Si y a en vous un peu de le désir de servir Dieu. Kama ndani mwako mko kwako nia kidogo ya kumtumikia Mungu. Cramponez-vous à cela de toute votre force. Bamba ile na nguvu yako yote. Ce matin, chérissez cela de tout votre cœur. Na ubembeleze ile nia na moyo wako wote. Remarquez frère. Angalia ndugu. Namna gani? Avez-vous pleuré devant Dieu? Namna gani unalia mbele ya Mungu? Ma sœur, le prophète dit vous avez peur de pleurer parce que le maquillage sera gâché. Dada, ndugu na mama nasema unaongopa kulia kwa juu kule kujipodoa kwako kutalabika. Alors, vale. La mort s'est installée. Lufu inadipanga. L'esprit s'est retiré. Rome takatifu inaenda. Il y a seulement la forme. Unakuwa tu ni mwonekanio. Avec la forme. Na hii mwonekanio. Unaweza kufanya byote bila kunafanya. Mais Dieu. Lakini Mungu. N'étant pas là. Ana molo wake. Nous voulons. Tunapenda. Que Dieu soit dedans. Ya kuseme Mungu akuyemo. Dans tout ce que nous faisons. Ubile byote tutakuwa tunatenda. Que Dieu soit dedans. Mungu akuyemo. Que la forme. Ile mwonekanio tu parte aujourd'hui. Iondoke kwanzia leo. Que nous soyons de vrais chrétiens. Uwe wa Kristo wa kweli. De pires chrétiens. Wa Kristo wa kweli kweli. Nous croyons. Tunaamini. Avec Dieu c'est possible. Ya kama pamoja na Mungu inawezekana. Cet état. Hii hali. Est venu. Inakuja. Alléluia. Amina. Par le processus de Dieu. Kupitia kwa mwenendo fulani. On avait commencé avec le feu. Tulianza na moto. Ça diminué. Inaenda kupunguka. Ça diminué. Inapunguka. Jusqu'au sang. Paka na vile tunafika kwa majivu. Maintenant. Sasa. La grâce de Dieu a toujours été là. Neema ya Mungu yoi ningalaka kupaka. Dieu recommence les processus. Mungu ananzulula tena ile kazi yake. C'est qu'aujourd'hui. Ni kusema leo. Ce soir. Hijioni. Dieu. Vous restaurer encore. Mungu anaweza kukurudisha mupya tena. Dieu peut enlever encore cette forme là. Anaweza kutosha ndani mwako ile mwonekanio ile. C'est un état dangereux. Ile ni hali ya hatari. Vous continuez toujours à servir Dieu. Mungu anaendelea paka na kumtumikia Mungu. Lakini Mungu anamo. Imaginez. Umwaze mbele. Je prêche. Mungu anahubiri. Jésus. Yesu. Il y a des souhaits qui viennent. Mais, enfin, mwabure. Et Branham dit, une adoration vaine. Anasema, ini kuabudu kuabure. Vous faites quelque chose pour Dieu. Unafanya kitu fulani juu ya Mungu. Mais Dieu détourne. Lakini Mungu lwake anageuka. Il n'apprécie pas la chose. Asikubale wala asipende bila kunafanya. L'important. Qui a muimu, c'est son approbation. Ni kukubaliwa kwake. Quand vous marchez, wakati kuna tembea, essayez de savoir si lui est satisfait. Jaribu kujua kwa kama Mungu anatosheka. Amina. Oh, il dit ceci. Hey, anasema. Dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Katika mabiri, Kristo ndio siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Je saute un peu, je prends 597 ici. Na Luka hako 597. Oh! Combien je souhaite avoir du temps pour retourner dans Ézéchiel. Mai, mbona napenda kukuwa na wakati ili nirudie katika kitabu cha Ézéchiel. Et en faire ressortir ses os desséchés. Na kutosha kwa hii mifupa yenye kukauka. Et vous démontrer cela, il na avait kumionesha hayo. Ses os. Hii mifupa. Pourront-ils revivre? Eti inawezi kuishi tena? Il avait dit. Alisema. Prophétise. Tabiri. Comment est-ce que la prophétie peut venir. Namuna kani sauti ya unabii inaweza kuja. Uniquement au travers du prophète. Ikuna kuja tu ni kupitia nabii. C'est la parole du Seigneur. Ni neno ya Bwana. Il vous dit ce soir. Anamiambia ijioni. Osma desséché. Mifupa yenye kukauka sana. Écoutez la parole du Seigneur. Tekeni sikio kwa neno ya Bwana.
Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Il dit. Anasema. Elenaire. Ma mishipa. Kwa na mishipa? Oui. La peau. Na ngozi. Fer sur e. Ikakuwa juu yayo. Et il s'attarde sur le pied. Na ikashimama buima. Une armée puissante. Jesse Kubwa. Et ils se mirent en marche vers Sion. Gloire à Dieu. C'est lui, la victoire. Amen. Amina. Alors dans Ézéchiel, je reviens. Katika Ézéchiel, narudia motena. C'est la dernière écriture. Je suis au verset 9. Jo, andiko ya mwisho. Et il me dit. Akanyambia. Prophétise. Tabiri. Parle à l'esprit. Semanaro. Prophétise, fils de l'homme. Tabiri mwana wa mtu. Et dis à l'esprit. Na umwambie ro. Ainsi parle le Seigneur. Ivi asemaye Bwana. Esprit. Ro. Viens des quatre vents. Kuja toka mapepo kon makona ine. Souffle sur ces morts. Purize juu ya hii mauti. Et qu'il revive. Na ipate kuishi tena. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Fatana agizo linipewa. Et l'esprit. Na pale ro. Entra en eux. Ikaingia ndani mwao. Et ils reprirent vie. Ndio ikapumzika tena. Et ils s'étirent sur leurs pieds. Ikasimama bwima. C'était une armée nombreuse. Ilikuwa ni jeshi kubwa na jeshi nyingi kabisa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a une possibilité. Kunako namuna. Il y a encore une occasion. Kunako tena bahati. De pouvoir revenir comme au début. Ya kupate kurudia tena sasa vile tulikuwa kwa mwanzo. Parce que c'est la parole. Wajuni neno. Aujourd'hui ce soir. Leo ijioni. Si vous êtes comme un os sec. Kama huku sasa vile ile mfupa ya kukauka. Et que l'espoir était parti. Na tumaini ilikuwa inapucha kupotea. Meje adi prophétise. Mungu anasema tabiri. Alléluia. Amina. Esprit. Ro. Depuis les quatre coins. Tokea ima kona ine. Viens. Kuja. Et entre dans ces morts. Ingia ndani ya ima uti ipate kupate tena uzima. Et il se tient debout. Do ikashimama. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu ambariki jioni. Que nous entonnons un cantique. Atutumie kwa mwimbo. Je peux faire encore. Mungu anaweza kutenda tena. Mettons-nous debout. Simameni banduku. C'est le temps de la prière. Kwa juu hii ni wakati ya kuomba. Amen. Amina. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Attention. Sopoka. Avec la forme. Sopoka na ile mwonekanio yako. C'est un état d'ange. Ni hali mubaya. Revenez comme au début. Rudia kule kwenye ulikuwa kwa mwanzo. On nous entend ce cantique là. Atutumie kwa ile mwimbo. Avec nos mains levées, nous allons le chanter. Na mikono yetu juu tutaimba. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles, Dieu répond aux prières. Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qui a toujours été. Il est même je rallume encore le feu. Il n'y a pas à douter. Je ferai il demeure le même.
Je vais le faire.
Espoir, ma seule prière.
Sourire, remplis-moi chaque jour.
Là, même des couples, Dieu peut faire encore. Il est chanter de tout cœur. Oui, mais la moi, vous m'a. Alléluia. Mina, nous connaissons toujours. Avec nos mains levées. Dieu peut les faire encore. Encore et encore. Il est le. Je crois toujours en ces miracles, Dieu répond aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Oh, Dieu peut les faire encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Nous croyons que c'est ta parole qui a été prêchée ce soir. Et qu'elle ne peut sortir de toi et rentrer à vide. Tu avais vu l'état dans lequel on s'était retrouvé. On était au niveau des cendres noircies, mort complètement. Mais gloire soit rendue à ton nom. Tu peux restaurer. Tu peux faire vivre de nouveau. C'est pourquoi, Éternel, nous nous adressons à ton esprit. Depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, Esprit de Dieu, entre dans ses ossements. Au nom de Jésus, que celui qui était comme la cendre retrouve son état premier. Nous croyons que tu es seul capable de le faire. Là où il y a la mort, tu redonnes la vie. Que la vie entre ce soir. Alléluia. Que la vie entre. Que l'esprit entre. Que les fers soient restaurés. Ramenés. Revivifiés. Ressuscités. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Bénis ce peuple. Bénis tes enfants. Bénis-les dans ton esprit. Ranime les flammes. Oh Dieu, fais ceci pour ta gloire. Parce que c'est ton plan, c'est ta volonté. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton plan. Oh Dieu. Alléluia. Merci. Merci. Gloire soit, que soit rendu. Merci Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Personne ne peut redonner la vie aux ossements. Seulement toi, le Dieu de William Branham. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Parce que nous avons écouté ta parole. La parole du prophète, c'est ta propre parole. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Merci. 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 Il est ressuscité. Qui? 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 Amen. Que quelqu'un vienne m'aider à lire un peu ce communiqué. Jésus. Oui. Thank you.
le diacre Umba. Shemasi Umba. Informe l'église que la sœur Rose Chiamba a perdu sa mère. Itangazo ya kirio Shemasi Umba anajulisha kanisa ya kama dada Rose anapotesha mama yake le mercredi 29/9/2021 ici à Lubumbashi. Kazi tatu inatokea kupita hapa Lubumbashi. Le corps est gardé à la mort sur l'avenue Upemba à côté de l'église et le robot. Maiti iko kwa nyumba ya mauti yenye kwa pembeni ya robot maskani. Le jour de l'enterrement n'est pas c'est encore fixé. Adresse du deuil Katuba Kisanga. Anwani ya fashi. Péage. Anaweka kilioni Katuba Kisanga kule ku péage. Kimuchi. Kule ku Kimuchi. Sur la route Kasumbalesa. Balabala yenye kwenda Kasumbalesa. Prendre le bus je camine quelque chose comme ça jusqu'à Machu Picchu, prendre les petits jusqu'à le Kamuchi. Utabeba gari yenye kwenda kwa Machu Picchu unafika pale unapanda petita ndio itakufikisha ile fashi. Si vous arrivez au marché Kimuchi. Ukifika tu pale soko ya Kimuchi. Si l'arrêt de petita. Pale penye ma petita na shimamiaka. Vous allez demander où se trouve la cabine. Utauliza kabini iko wapi. Vous allez demander la route qui mène jusqu'à la rivière. Utauliza balabala yenye kunapeleka paka na kumtoni. Vous comptez la première avenue, la deuxième, la deuxième, utabalula, la quatrième parcelle. Balabala ya kwanza ya pili uningia ni mulupango ya tatu. Serchi Ambarose. Son numéro de téléphone 085. Il est ni namba yake ya foni. 24 10 77 3 à la fin. Requête de prière. Attendez d'abord la requête. Le diacre Jean-Claude Kayembe. Chemasi Jean-Claude Kayembe. Rappelle aux frères et sœurs ainsi qu'aux volontaires. Anakumbusha wanduku na wadada na wenye kujipendelea. Le nettoyage du temple pour la journée de demain samedi. Ya kusema bakuye ko mingi njoo kutengeneza hekalo siku ya kesho. Okay. Venez nombreux et attend. Ukujeni ba mingi na mbele ya wakati. Car les chaises sont à nettoyer. Wajuu hii mabichi yote iko buchafu inafaa kusafisha. Bonne compréhension que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mwelewo mzuri na Mungu amebariki. Jacques Jean-Claude Kayembe. Mwenye kutia saini ni Shemasi Jean-Claude Kayembe. Maintenant, il y a une requête de prière. Hapa tuko na hitaji ya maombi. Moi, frère Sami Kateta. Mimi nduku Sami Kateta. Je demande au Saint de Lys. Naomba watakatifu wa Lys. Vous priez pour moi. Wapate kukunyombea. Que Dieu puisse faire quelque chose, car j'ai donné une demande d'emploi quelque part. Mungu apate kwa kuingia kiwanjani kwa chuni. Kwa juni ilipeleka barua ya kuchukuliwa mkazi fasi fulani. Que Dieu entre en scène. Mungu apate kuingia kiwanjani. Je crois dans vos prières. Naamini maombi yenu. De tout mon cœur. Moyo wangu wote. Que Dieu réponde. Ya kama Mungu ataijibia. Prions un tout petit peu. Tuombe kwanza kidogo. Seigneur Jésus, quand notre bien-aimé écrivait, tu étais là. Il ne s'adressait pas normalement à nous, mais c'est à toi, éternel. Daigne, Seigneur Jésus Christ, l'exaucer et qu'il puisse venir donner son témoignage devant tes saints. Accorde-lui le désir de son cœur. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus Christ. Amen. Amina. Nous prions parce que nous voulons prélever les dîmes et les offrandes. Tunapenda kupita kwa kazi ya kuchukua sadaka na zaka. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons compléter notre adoration par des dîmes et des offrandes. Nous te prions, éternel Dieu, de venir chaque main, Seigneur Jésus-Christ, qui va faire ces gestes. Et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, souviens-toi d'eux la prochaine fois. Bénis ces gestes, nous avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amina. On entend un cantique, on prélève un peu les dîmes. Atatutumia kwa mwimbo na washemasi watachukua sadaka na zaka.
te prions que l'ange puissant qui a été avec nous ici puisse les accompagner partout. Qu'ils arrivent, oh Dieu, bien à la maison. Et que dimanche, Seigneur Jésus-Christ, tu nous donnes encore l'occasion que nous puissions nous retrouver ici. Que ton nom soit béni à jamais. Nous avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen.